Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman! Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement! Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Oh. Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, trop trop, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa! Hein? Bravo, oui. Papa! Bravo, papa! Merci, papa! Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, trop. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas, je te passe trop. Tiens, trop, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop trop rigolo. Je décolle. Roux, roux, roux. Et je me pose. Hé, trop, pourquoi tu fais comme moi? C'est un jeu, on fait tout pareil. Ah oui, d'accord. Allez, suis-moi. Et hop, hop, et hop, hop, hop. Tchou 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 tchou. Vous faites quoi?
veux jouer, Lily? Oui. Attention au départ. Tchou tchou tchou. Tchou 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 tchou. Stop! À moi maintenant! Une belle danse! D'accord! D'accord! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Moulinet! 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 Très bien! On recommence depuis le début! 1, 2, 3, 4! Moulinet! On continue! Hop, hop, tac, youpla! Hop, 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 tac, youpla! Boubou, tu n'as pas fait pareil? Tu t'es trompé! Attention, très difficile, tout à la suite! Cette fois, tu vas voir, je vais tout faire sans me tromper! 1, 2, 3, 4, moulinet! Hop, hop, tac, zoupla! Tu n'as rien fait comme nous. C'est normal, parce que le jeu maintenant, c'est de ne plus faire pareil. Alors j'ai gagné. C'est moi le plus fort des petits monstres. J'ai une idée. Et voilà, mon joli château. Bouh! Tu m'as fait peur trop. C'est moi le petit monstre. En plus, tu as cassé mon château. Tu es méchant. C'est normal. Je suis le plus méchant des petits monstres. Je connais un vilain petit monstre qui n'aura pas de gâteau ce soir si sa maman n'a plus d'œufs. Les monstres ne mangent pas de gâteau. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, le petit monstre. Oh, oh, si je t'attrape, petit monstre. C'est rigolo d'être un petit monstre. Tout le monde a peur de moi. Grave, grave. Bouh. À qui je vais faire peur maintenant? Qu'est-ce qui se passe, Trotrot? De quoi tu peurs comme ça? Dans le jardin, il y a une grosse araignée.
Mon petit Trot-Trot, tu n'as rien à craindre. Les petites bêtes ne mangent pas les petits monstres. Oui, eh bien, moi je veux plus être un petit monstre. Comme ça, je pourrais manger du gâteau. Et voici, mesdames et messieurs, l'incroyable Nounours qui va faire un numéro de trampoline. Doing, doing, doing. Bravo, bravo, bravo Nounours. C'est l'heure de dormir, Trot-Trot. Attends, maman. Je lis une histoire à Nounours avant. Oui, Trot-Trot. Nounours ne veut pas s'endormir si on ne lui lit pas une histoire. Tu sais lire, Trot-Trot ? Bien sûr que je sais lire. Un nounours, je sais bien lire. Pour lire, on prend une grosse voix comme ça. Là-bas, très loin, au milieu de l'Afrique. Je ne sais pas lire les mots en vrai, mais l'histoire, je la connais. Je sais tout ce qui se passe dedans. Très loin, au milieu de l'Afrique, un zèbre rencontre une girafe. Voilà, l'histoire est terminée. Tu ne dors pas, Nounours ? Ça veut dire que l'histoire t'a plu. Je t'ai dit que c'était l'heure de dormir, Trot-Trot. Tu veux que je te lise une histoire avant d'éteindre ? Pas cette histoire, on l'a déjà lue. Il y a bien longtemps de cela, à l'époque des fées et des sorcières. Si Nounours est endormi, c'est parce qu'il n'aime pas cette histoire. Tu la lis moins bien que moi, maman. C'est vrai, tu lis très bien, mon fiston. Bonne nuit, Trot-Trot. Bonne nuit, Nounours. Je suis grand. Je fais les courses tout seul. J'aime bien faire les courses. J'adore choisir moi-même. Je sais tout ce qu'il faut pour la maison. Et ça,
Il en faut. Celui-là, hop, dans le chariot. Et celui-là, hop, pour Trotro. Un paquet bleu et un paquet rouge. Celui-là, je le prends pour maman. Et celui-là, pour papa. Des fois, c'est trop haut. Il me faut mon papa. Papa! Papa! Mais... Papa! Je suis là, Trotro! Trotro! Oh! Je ne te voyais plus. Je t'avais dit de rester à côté de moi, Trotro. Maintenant, on ne se quitte plus. J'aime bien aussi faire les courses avec papa. Oh là là, Trotro, des gâteaux, des brioches, des bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu ne crois pas que c'est un peu trop, mon Trotro? C'est tout ce qu'il faut prendre pour Trotro. Oh. Oh, Nounours, tu as besoin de te laver. On a tous les deux besoin de se laver. D'abord moi. Et voilà, c'est fini. C'est mieux comme ça. À toi maintenant, Nounours. Et voilà, c'est fait. Oh, ça n'est pas parti le chocolat. Trotro, que fais-tu? Maman, regarde. Nounours a renversé son bol de petit déjeuner. En effet, qu'est-ce qu'il est maladroit ce Nounours. Et qu'est-ce qu'il est sale. Il faut le laver. Je vais le mettre dans la machine à laver. Voilà, Trotro, Nounours est tout propre. Nounours! Tu es un peu mouillé. Je vais te sécher. Brrr.
ça ne sèche pas. Tu vas être bien au soleil. Tu auras chaud. Et tu sécheras vite. Ça va, nounours? Ça ne pince pas trop? Tu sens bon, nounours. Tu sens le propre, tu sens le soleil. C'est l'heure de la sieste. Oh. Non. Si, on range tout ça et vite au lit. Mais papa, j'ai encore envie de jouer. Tu sais papa, je n'ai vraiment pas sommeil. Si tu veux jouer avec Lily, il faut d'abord te reposer. Je n'aime pas la sieste, ça ne sert à rien. Et je ne veux pas entendre de bruit. C'est maintenant que j'ai envie de jouer. Chut, nounours, pas de bruit. Et maintenant, on va jouer tous les deux. Je vais te faire une cabane. Tu aimes ta nouvelle maison, hein? Tchou-tchou, on veut passer. Tchou-tchou. Oh, on fait trop de bruit. Oh. Oh. Je vais faire une promenade à cheval. Plus vite. Un canard, une poule, une oie, un poussin. Debout, trop. Tu peux aller jouer avec Lily maintenant. Tu vois que tu avais besoin de dormir. À quoi on joue, Trotro? À la course. Le premier arrivé à l'arbre a gagné. D'accord, partez. Oh, je suis trop fatiguée. J'ai envie de dormir. Gagné. Ah, et si on jouait à faire la sieste? Mais tu sais, Trotro, je n'ai vraiment pas sommeil. Trotro? L'âne trop rigolo.
L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop rigolo. Oh, les belles framboises. Ah, ça pique. C'est tout doux dans la bouche. Et elle est bien mûre, cette framboise. Elle est sucrée comme un gâteau. Un gâteau ! Ouais, youpi ! Youpi ! Maman, et si on faisait un gâteau aux framboises ? Bonne idée, Trotrot. Je vais faire la pâte. Et moi, je vais cueillir plein de framboises. Doucement. Oh, toi, tu es trop écrasé pour aller sur le gâteau. Oh, celle-là, comme elle est belle. Elle est trop grosse pour aller sur le gâteau. Hop. Il y en a tellement. Je peux encore en manger un peu. Miam, miam, miam. C'est tellement bon. Oh là là. Oh, mon panier est vide et j'ai presque tout mangé. Heureusement, il en reste encore. Mon panier est bien rempli. J'en ai beaucoup cueilli. Oh! Oh, mes belles framboises! C'est bon aussi quand elles sont écrasées. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout cueilli. Ouf, il en reste encore une. Oh non, ma framboise! Rends-moi ma framboise! C'est moi qui l'ai vu le premier! Oh non, l'oiseau, elle est à moi! Oh, il y a des prunes. Je vais les mettre dans mon panier. Maman, tu aimes les gâteaux aux prunes? Oui, c'est aussi bon que les gâteaux aux framboises. Et c'est encore mieux, le gâteau de Trotro sera beaucoup plus gros. Et le prince embrassa la princesse. L'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant. Reste encore un peu avec moi, papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Trotro? Tu n'es pas bien dans ton lit? Si, mais je n'aime pas être tout seul dedans. Tu n'es pas tout seul. Mouah. Nounours dort avec toi. Mais j'ai un peu peur, moi. Nounours, ça ne suffit pas. Maman a les pieds tout chauds et papa ronfle tout le temps. Ici, on est vraiment bien. Oh, notre Trotro exagère. En plus, il prend toute la place.
Oh non, le revoilà. On va jamais arriver à dormir. Trotro est grand maintenant. Il doit comprendre qu'il doit dormir dans son lit. Papa, maman, où êtes-vous? Oh! Mais c'est pas votre lit! C'est fou ce que nous avons bien dormi! Sortez de là tous les deux! Alors, le loup repartit dans la neige. Et voilà, l'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant. Alors pourquoi tu restes là? Tu ne vas pas encore me prendre mon lit cette nuit, j'espère. Bonne nuit, Trotro. Surveille bien ton lit. Bonne nuit, papa. Quand je serai grand, je construirai des maisons. Voilà, la maison est finie. Badaboum! Et moi, quand je serai grande, je serai championne de patinage. Et moi, je serai un grand footballeur. Trotro, on ne joue pas au ballon dans la maison. Oui, maman. Allez jouer dehors, il y a Nana qui vous attend. Viens, Lily. Vroom, vroom, vroom. Nana, on joue à quand on sera grand? On est... Vroom, des aviateurs. Tu viens jouer? Allons-y. Vroom, vroom, vroom. Les aviateurs se préparent. Ils vont sauter en parachute. Et hop, je saute. Je saute aussi. Hop, je vole. On dirait que je serais explorateur. Je traverse un pont très dangereux. Attention, il y a des crocodiles en dessous. Sauve à temps. Merci, Trotro. Les explorateurs continuent dans la jungle. Attention, un lion. On est poursuivi par un lion. On serait des petits ogres et qu'on irait tout manger. Grrr, 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 grrr.
L'âne trop-trop, l'âne trop-trop, trop-trop rigolo. L'âne trop-trop, l'âne trop-trop, trop-trop rigolo. L'âne trop-trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop-trop rigolo. Maman, s'il te plaît, tu veux bien me donner des bonbons? Mais trop-trop, tu n'entends pas tes petites dents qui crient « Pitié, non, non, pas de bonbons !» Peut-être, mais mon petit ventre dit « Hmm, les bonbons, c'est très bon !» D'accord, trop-trop, je vais t'en donner un. Youpi! Celui-là. Non, plutôt le jaune. Non, le plus gros. Merci, maman. J'adore les bonbons. Mais ça se mange trop vite. Heureusement, maintenant, je connais la cachette. Je ne sais pas lequel choisir. Mais cette fois, je peux en prendre deux. J'ai une idée. Je vais en goûter un de chaque couleur. Comme ça, je saurai celui que je préfère. Ceux à la fraise sont délicieux. Ceux au citron sont bons aussi. Je les adore tous. Trop-trop, Lily t'attend pour aller jouer. J'arrive. Bonjour Lily. Bonjour Trop-trop. Oh. Ah ah. Le vilain petit gourmand. J'ai une surprise pour toi, Lily. Tiens. Oh, merci, trop-trop. J'adore les bonbons. On joue à chat? Chat. À table, trop-trop. Je crois que je n'ai pas très faim. Les épinards sont prêts. Ça sent bon. Des épinards? J'ai mal au ventre, maman. Ah oui, c'est peut-être ton vilain petit ventre qui te dit que tu as trop mangé de bonbons. Je crois que mon petit ventre me dit plutôt qu'il n'aime pas les épinards. Trop-trop fait une passe. Et c'est encore Trop-trop qui récupère le ballon. Super, bravo Trop-trop. Et maintenant un but. Oh, oh, mais c'est un bébé oiseau. Qu'il est mignon. Mais où sont tes parents? Tu ne peux pas rester tout seul, tu es trop petit. Tu ne sais même pas voler. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Je vais te fabriquer un petit lit. Il ne te plaît pas? Peut-être que tu as soif.
ce n'est pas ça. J'ai trouvé. Tu as faim. Regarde, il reste encore une glace. Tu vas te régaler. La fraise, c'est mon parfum préféré. Tiens, c'est pour toi. Tu n'aimes pas la glace? Je vais voir ce que je trouve d'autre. Peut-être que tu préfères le fromage. Tu as l'air un peu difficile. Mais je vais chercher quelque chose d'autre. Là, si ça ne te plaît pas, je ne sais plus quoi te donner. Mais que se passe-t-il, Trotro? D'où vient ce petit oiseau? Tu sais, il était abandonné tout seul au pied du pommier, alors je l'ai rapporté à la maison. Mais Trotro, ce petit oiseau a besoin de ses parents. Ils sont partis lui chercher de la nourriture. Alors que faut-il faire, maman? Nous allons le remettre dans son petit nid. Regarde, maman, le petit nid est là. Tu vois, ses parents ne sont pas là. Pose le petit oiseau dans son nid, Trotro, et nous allons bien voir. Regarde, Trotro, voici ses parents. Oh, il a l'air de bien aimer les vers de terre. Tu vois, Trotro, ses parents savent ce dont il a besoin. Ils ne l'ont pas abandonné. Tu sais, maman, je suis bien content que le petit oiseau ait retrouvé ses parents. Ces grands ciseaux sont dangereux pour mon petit Trotro. Alors à quoi je peux t'aider? Va me chercher le panier pour ramasser les brindilles, s'il te plaît. J'y vais, maman. Moi, j'aime bien aider. Oh. Tiens, maman, je t'ai rapporté aussi ton chapeau pour le soleil. Comme tu es gentil, mon Trotro. Merci, oh. Tu m'as bien aidé. La 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 la, moi je suis un gentil, moi j'aide bien ma maman. Pauvre petit escargot, tout ce chemin pour arriver à la salade. Je vais l'aider. Voilà, tu es arrivé. Moi je suis gentil, j'ai bien aidé le petit escargot. Qui je peux aider encore? Oh, je crois bien qu'on a besoin de moi ici. Moi, je suis gentille même avec les fleurs. Merci pour ce joli pétale, Madame la Fleur. Nana, tu veux que je te pousse? Oh oui, merci Trotro. Je vais très haut. Youhou! Oh oui! Merci Trotro. Merci beaucoup. C'est bien d'être gentil. On a des bisous. Oh! Voilà ton ballon, Lily. Merci.
Tiens, oh. Trop, c'est pour toi. Miam, miam. C'est bon, le chocolat. Quand on aide les autres, tout le monde est content. Moi, je serai toujours un gentil trop-trop. Il n'est pas là, je ne le vois pas. Qu'est-ce que c'est? Trop-trop, viens voir! Tu as trouvé le ballon? Non, mais regarde! Oh, je n'en ai jamais vu un si beau! J'ai trouvé des billes. Oh, il y en a encore une autre. Oh, trop, j'ai trouvé des fraises. Elles sont bonnes. On les cueille toutes. Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Oh! Un joli bracelet avec des perles de toutes les couleurs. Je le donnerai à Nana. Regarde, trop, j'ai trouvé des cailloux avec des petits dessins dessus. C'est rigolo, ce sont des morceaux d'assiette. On va ranger tout notre trésor dans ce seau. Oh! J'ai retrouvé ton ballon, Boubou. Mon ballon! Il était bien caché. Nous, on adore faire la chasse au trésor. On va bien s'amuser.
je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau, madame. Ce n'est pas cher. Je le prends. Merci. Au revoir, Nana. Bonjour, madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? Ah, j'ai trouvé quel marchand je vais être, attendez. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose, c'est moi la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, oyez. Venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Attends, à moi, Boubou. Je te donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. C'est drôle, je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Oh, moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro Livreur Express. On fait la course si tu veux. Le premier qui fait le tour du jardin a gagné. D'accord. Boubou, tu es l'arbitre. Tu vas voir. 3, 2, 1, partez! Oh, Lily est loin. Je la vois à peine. Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Et hop, bien tassé. Je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily est
est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Ha ha! Encore une fois! Oh non! J'avais oublié Lily! Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée! C'est Lily qui a gagné! Non, ce n'est pas juste! J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... Mais c'est moi qui suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné! C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non! On refait la course, Lily? Non! Ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur, trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat! Le premier arrivé a la plus grosse part! Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas! Voiture jaune. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh, il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman, je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Quelle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh! Oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily. Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli. On dirait un jardin de fées. Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore. Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger.